Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour pour nous toutes encore une fois. Bienvenue sur Machann Zen Lakay. Et nous comptons pour nous rejoindre. Nous sommes plaisir pour nous entrer la caillou avec information que nous portons pour vous. Et des informations dans bon timamite. Et bien nous venons informer vous. Et bien sur ça, je dis à la qui passait en d'un primature côté donc ancien opposant Mathias Pierre. Nous connaissons qui c'est un opposant pouvoir PHTK. C'est un année qui pas de vle, ouais. Eh bien, Jovenel ni PM Jouthe, eh bien, je dis à monsieur jeune job dans mais gouvernement PHTK qui donc monsieur nommé et ministre délégué, eh bien, c'est bon côté PM Jouthe que monsieur lui-même là, eh bien, donc monsieur pral épouser là pour le travail bon côté PM Jouthe, eh bien, je dis à la Mathias Pierre et maître Mathias Pierre disons son avocat, eh bien, installation ça c'est je dis à lui fait côté Mathias, monsieur nommé ministre délégué auprès du premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques par le premier ministre Joseph Jouthe qui donc je dis à la Mathias pendant opposition encore parce que il finit par venir un job, il finit par venir un poste ministre nommé PHTK. Donc nous allons inviter ouais comment PM Jouthe et donc étape possédé avec installation ça côté eh bien c'est Mathias qui bon côté PM Jouthe là mais son ancien opposant pour nous dire comme ça nous allons vite voir tout détail pas oublier sur Machann Zen Lakay songez abonner avec canal là donc si on a moyen ou aider nous avancer plus haut si on a moyen tout ou toujours été informé parce que de pour abonner ou activer petite cloche notification retirer sous personnaliser mettre sous tout et bien vous avez possibilité pour recevoir tout message qui dit ou nous live ou bien nous poster une vidéo sur Machann Zen Lakay. Donc c'est seul moyen pour toujours être informé. Enjoy vidéo à tout le monde, likez, partagez et surtout abonnez avec le canal là. Nous tourner pour plus de détails dans nos prochaines vidéos. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonjour pour nous toutes encore une fois. Bienvenue sur ma... Monsieur le ministre délégué auprès du premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, Madame la directrice de cabinet, distingués invités, Madame, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs. La démocratie exige qu'à des périodes déterminées, des élections libres, transparentes, honnêtes aient lieu pour renouveler le personnel politique. Depuis 1987, avec l'adoption du modèle de gouvernance démocratique, notre pays se consacre à cet exercice, à la recherche de l'établissement durable de cette obligation à travers l'alternance politique comme un des moyens nécessaires à la démocratie. Bien que l'exercice demeure problématique, il est cependant admis et reconnu en Haïti comme étant une nécessité incontournable en dépit des adversités, des difficultés et des contestations qu'il entraîne en tout temps. En effet, les élections ont jusqu'à présent été réalisées tant bien que mal et ont facilité périodiquement le choix des dirigeants politiques du pays. On ne saurait donc déroger à cela et exposer le pays à des dérives qui entraveront davantage son développement et l'amélioration du bien-être de la population. En raison de tout cela, il devient impératif que tout soit mis en œuvre pour que les élections se réalisent dans le respect des règles du jeu démocratique. Et il n'est donc un secret pour personne que l'année 2021 comporte un agenda politique important, tenant compte non seulement de la nécessité de disposer d'une constitution fonctionnelle susceptible de garantir la stabilité politique, mais aussi de rétablir le fonctionnement régulier et harmonieux des institutions publiques capables d'assurer un service public performant au service du développement durable. Au regard des 30 dernières années, marquées par des troubles incessants quasi permanents et des ratés que le pays a connus, le jeu démocratique doit s'évoluer afin d'offrir une gouvernance publique acceptable, adaptée, apte à offrir de meilleures perspectives pour un pays retrouvé, uni, où la devise « l'union fait la force » reprend tout son sens. Ainsi, les enjeux deviennent importants et les défis qu'ils soulèvent requièrent des stratégies appropriées, adéquates et des moyens conséquents à la hauteur de ces enjeux. C'est pourquoi il a été décidé de dédier un responsable gouvernemental de haut niveau pour piloter les questions électorales et les relations avec les partis politiques. Il demeure entendu qu'il s'agit pour le gouvernement d'assumer ses responsabilités devant créer les conditions nécessaires au déroulement paisible du processus électoral. Ainsi, le pouvoir exécutif a donc jeté son dévolu sur le citoyen Mathias Pierre pour assumer ce rôle, et je prends plaisir à installer en ce moment dans sa fonction de ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations électorales et des relations avec les partis politiques. Il ne fait aucun doute que M. Mathias Pierre est connu du grand public et du monde politique haïtien. Il demeure un citoyen actif et engagé dans la lutte politique pour l'amélioration des conditions de vie dans le pays. Il est donc coutumier de la chose publique et a toujours plaidé pour un changement de paradigme en affirmant ses convictions démocratiques. Qui ne se souviennent pas de son slogan de candidat à la présidence, origine moins, pas doué, condamné. Monsieur le ministre délégué, voilà le tableau des enjeux et défis dressés. Il vous revient désormais d'agir suivant les objectifs arrêtés en développant les bons moyens pour parvenir à leur atteinte. Vous bénéficierez d'ores et déjà de la collaboration nécessaire à votre travail et toute la latitude pour travailler. Nous attendons immédiatement votre plan de travail et l'indication des moyens qu'il requiert comme prérequis à tout cela. Le président de la République, son excellent Jovenel Moïse et moi-même personnellement comptons sur votre sérieux habituel et votre engagement pour contribuer à permettre au pays de réaliser des élections dans un environnement apaisé et acceptable. Vous pouvez compter sur la solidarité gouvernementale et l'apport des collègues pour jouer leur partition. Je vous félicite à nouveau pour avoir accepté de vous joindre à nous au service du peuple, du pays et de la démocratie que vous chérissez tant. Je vous souhaite déjà bon travail, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons l'occasion pour nous présenter à la population l'arrêté présidentiel qui nommait M. Mathias Pierre. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté Joseph Jouthe, Premier ministre. Vu la Constitution, notamment ses articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation et de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 2 mars 2020 nommant le Premier ministre, vu l'arrêté du 4 mars 2020 nommant les membres du cabinet ministériel, puis la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, vu l'arrêté du 14 septembre 2020 nommant les membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de nommer un ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques, arrête. Article 1er. Le citoyen Mathias Pierre est nommé ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des questions électorales et des relations avec les partis politiques. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à l'intéressé. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de loi. Donné à la primature, à Port-au-Prince, le 11 janvier 2021, en 218e de l'indépendance, par le président Jovenel Moïse, le Premier ministre Joseph Jouthe. Merci. Maintenant, nous avons occasion pour le Premier ministre là, pour mettre en main propre M. Mathias Pierre comme Premier ministre, chef du gouvernement, et qui a une responsabilité concernant affaires électorales et relations avec partis politiques. M. Pierre, c'est un monde qui n'a payé longtemps.